je vous présente Céline, notre DRH. Elle a reçu une info de la direction ce matin. Ça n'a pas l'air joli joli. Elle a appris que nos deux plateformes logistiques vont être regroupées. Versailles et Marne-la-Vallée, qui se retrouvent à Saint-Denis. Céline, elle a paniqué direct. Comment je vais l'annoncer aux équipes? Et la qualité de vie au travail dans tout ça? Comment embarquer tout le monde? C'est la cata. Et là, Céline a eu une illumination. Sa botte secrète, son carnet d'adresses, avec à l'intérieur le numéro de téléphone du cabinet Ariane Conseil. Illico presto, ils ont débarqué avec une équipe de choc. Un spécialiste en organisation du travail, un ergonome, un psychologue du travail, une experte des relations sociales. Ils ont commencé par lui faire un topo sur le triangle magique. Je t'explique. Ici, t'as les attentes de l'entreprise. Là, t'as celles des salariés. Et là, t'as celles des clients. Le but, c'est que ton triangle ne se déforme jamais. S'il tire d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Il faut que tout le monde vise le juste équilibre. C'est ça, faire de la qualité de vie au travail. Très mignon, la géométrie, a dit Céline, mais je suis pas prof de maths, moi. On fait quoi, concrètement, pour réussir le regroupement des deux plateformes? On va réaliser une étude d'impact, a répondu l'équipe de choc. Et pour ça, il faut faire une ronde. C'est une image, hein. Parce que Ariane Conseil va aider tout le monde à travailler main dans la main sur le projet. Ça aussi, c'est magique. L'ergonome travaille avec l'architecte du nouveau bâtiment logistique et observe les situations de travail. Le psychologue interroge les salariés. Le spécialiste en organisation du travail étudie le flux de production. Et l'experte des relations sociales présente l'étude d'impact aux partenaires sociaux en leur expliquant les conséquences de la nouvelle organisation sur les conditions de travail des équipes. Après ça, on est passé à la phase opérationnelle. Avec l'équipe d'Ariane Conseil, on a fabriqué un plan, des petits personnages et des mini-machines pour que les équipes puissent imaginer leur nouveau lieu de travail et faire des propositions d'aménagement. Super malin. Ça a permis d'associer les équipes, très important, et aussi de repérer ce qui pouvait être amélioré. Dernière étape, la période de transition entre la fermeture progressive des deux anciens sites et la montée en production de la plateforme de Saint-Denis. L'équipe d'Ariane Conseil est restée au petit soin, s'assurant que tout roulait parfaitement avec des ajustements si besoin. Le résultat, il n'y a qu'à voir la tête de l'équipe aujourd'hui. Radieuse. Regroupement réussi, zéro plainte et conditions de travail améliorées.